Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Betty que vous aviez vue pour le tag Once Upon a Time. Et oui, elle est de retour. Et cette fois-ci, on va parler d'autre chose puisque nous allons nous attaquer à High School Musical. Oui. Pour corser le truc, en fait, on va se faire 10 questions chacune puisque Mademoiselle est incollable. Et celles qui se tromperont mangeront ces bonbons-ci. Pour les fans d'Harry Potter, ça devrait vous dire quelque chose. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bonbons à des goûts improbables. Donc ça peut aller de très bon, genre la vanille, à très mauvais, genre cire d'oreille, caca d'oie, vomi, des trucs genre... Le musical, c'est un Disney Channel Original Movie, c'est-à-dire un film produit par les studios Disney. Le premier et le deuxième étaient passés à la télévision, si je ne me trompe pas. Et le troisième au cinéma, parce qu'il a eu un succès fulgurant. Il devrait y avoir un 4 avec un casting différent. Voilà, sachant que High School Musical 2 reste à l'heure d'aujourd'hui le film Disney Original Movie qui a été le plus vu. J'apprends quelque chose. Voilà, c'est j'aime le moins des trois. Troy, c'est un basketteur. Troy est très populaire et qui sait jouer au basket, qui a plus ou moins des bonnes notes. Voilà, et qui a fait craquer toutes les filles durant leur adolescence, hein, nous comprises. Voilà, Zac Efron est un peu très très beau. Il rencontre Gabriella par hasard en vacances, il découvre une passion pour le chant et finalement cette Gabriella arrive dans son lycée et il va falloir qu'il arrive à gérer sa passion pour la musique, son amour naissant pour la demoiselle et ses amis qui attendent de lui qu'il soit un super meneur de jeu dans le basket. J'aurais pas pu faire mon niveau. Merci. Et du coup, pour les questions, on s'est dit qu'on allait cibler sur le 1, donc on espère que ça vous plaira. Voilà. Alors, je commence par une très facile. Vas-y, si tu veux. Que fait Gabriella avant de faire le karaoké avec Troy? Elle lit un livre. Ouais. Alors, moi, je te demande quel est le nom de la professeure de théâtre. Oh, je l'ai révisé. C'est Madame Darbus. Oui, c'est bien. Le premier mot de Troy à Gabriella. C'est tellement débile que j'étais obligée de te dire. Attends. Elle va manger son bonbon. Le premier échange se compose d'un mot. Bah, c'est pour ça que j'arrive pas à savoir si tu parles de la fois où ils se parlent après avoir chanté ou si tu parles quand ils montent sur scène avec elle. Bah, dis les deux et si c'est. Ah non, mais je m'en rappelle d'aucun des deux, donc de toute façon ça va être très rapide. Tu l'as vu en VF. De toute façon, le mot est le même. Ah, ça, c'est abusé quand même comme question, mais si tu veux, allez. Je sais qu'il fait des compliments sur sa voix. Je sais pas, mais ça doit être drôle, est-ce que ça te fait rire. Il lui dit Troy. Ah, il se présente. Il dit Troy, elle répond Gabriella. Et ah, je trouvais ça tellement débile que j'étais obligée de mettre. Oh, tu m'as induit en erreur. Pourquoi? Tu m'as dit après qu'ils aient chanté, moi j'étais persuadée que c'est quand ils donnent leur numéro et tout. Mais je t'ai dit, tu me dis n'importe quel mot, je te dirai ok. Oui. J'ai hâte de lui poser des questions dures parce que là, elle m'aligne un peu. Moi, ça se trouve pas si dur. Par rapport à ce que j'ai pu imaginer, je peux t'assurer. Bah, si, moi, c'est d'après parce que le problème, c'est que c'est pas vraiment un dialogue si tu veux. Présent, donc c'est difficile de penser à ça. J'essaye le bleu là. On dirait de la myrtille. Non, celui-là était pas mauvais, j'ai de la chance. Le nom de famille de Taylor. C'est qui Taylor? Bon, on est bien parti, tu devrais prendre un bon moyen pour ça. C'est la meilleure amie de Gabriella. Non, mais tu sais que c'est la question que j'ai après. Bah oui, mais moi je le connais. Ah, mais oui, mais c'est pas juste celui-là. En fait, j'allais te demander quel est le nom de la meilleure amie de Gabriella dans l'une des questions. Bah oui, mais du coup, j'ai bon. Bah oui, mais tu l'avais forcément, tu allais me la poser. Après la chanson du karaoké, quelle est la première chantée dans le film? Elle est facile celle-là. Hein. Attends, que je me paume pas. Alors, j'aime pas le nom de la chanson, c'est Get Your Hand Again. That's good. Ah. C'est à toi du coup. De quel instrument joue Kelsey? Du piano. Oui, tu vois, je t'ai posé des questions pas ici. Après, elle avait peur que je la tournoise. C'est vrai, franchement, c'est bien. Tu joues bien de jeu. Bah oui. Celle-là, elle est dure. Pourquoi Tracy et Gabriella sont sœurs? Tracy, c'est qui Tracy? Taylor, pardon. Ça se ronge les ongles. Ouais. En fait, ça se trouve, on va même pas y toucher. Bah, moi j'en ai eu un, mais il était très bon. À toi. À quelle fête se rencontrent Troy et Gabriella? Le nouvel an. Voilà. Combien de fois Sharpay a-t-elle participé à un spectacle scolaire? Je connais la réponse. Je connaissais la réponse avant, maintenant ça fait un petit bout de temps, donc 42, je dirais. Non, c'est 17. 17, voilà. J'ai failli dire 27. Enfin, après, je reconnais que c'était difficile. Ils sont bons. Sérieux? C'est de la fraise, donc. Le rose, hein, j'ai pris pas le rouge. De toute façon, à mon avis, c'est ceux qu'on détache, on est d'accord. Ouais, voilà, mon avis aussi. Quelle est la dernière chanson du film? C'est un peu ça. Tu considères ça comme une bonne réponse? Bah oui. We are in this together. Ouais. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Together. Bon, de toute façon, t'as plus dur, toi. Mais il y en a quand même qui sont plus faciles que d'autres. Mais celle-ci, je me suis lâchée. Quel est le nom des rôles pour lesquels Sharpay, Ryan... Alors, j'en connais un. C'est vrai? Minnie et Arnold. T'as bon. Bah oui, je sais que c'est bon. Ceux-là, je les connais.
Ah bah tu vois, je pensais que c'était vraiment une question difficile parce qu'on les voit vraiment pas longtemps quoi. Bon bah non, mais ça je sais, mais par contre le chiffre, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, tu vois, donc ça me sera. Après, celles d'après sont plus faciles. Bah moi j'espère que je vais réussir à piéger au moins une fois, sinon c'est pas drôle. Bah j'aimerais bien en manger. Quelle est la couleur de la robe de Sharpay dans Bob to the Top? C'est la chanson en espagnol. Ah oui, c'est ça. Siempre mucho. Bésame. Ouais, c'est bleu. Ouais. Quels sont les secrets de Stick to the Status Quo? Comment ça les secrets? Qu'est-ce qu'on t'en parle là? Bah tu sais, ils font tous une confidence. Ah, alors. Il y en a trois. Alors, Zik, il aime faire de la pâtisserie. Martha, elle aime danser, elle fait ça même. Et le troisième. Et le troisième. Parce que moi, j'avais oublié celui-là. Il fait de la contrebasse. Enfin, il le met au milieu. Bah, en français, ils le traduisent par violoncelle, mais je te le compte comme bon. Hein. Mais le violoncelle, c'est là, non? Je sais pas. Enfin, bref. Je savais que c'était violon ou la contrebasse. En gros, il fait ça, quoi. Ouais, tu vois, celle-ci, elle est facile quand même. Oui, ouais. C'est ta chanson préférée, donc. Oui, mais celle-là, je. Mais justement, mais je me serais la question a un rapport avec Stick to the Status Quo. Vas-y. Qu'est-ce que renverse Gabriela sur Sharpay? Tu la connais, la réponse à ça? Bah oui, puisque j'allais te la poser. Donc, c'était quoi? Mais je vais c'est la barquette de frites. Voilà. Avec du chili. Donc, je te pose celle d'après et je changerai à la fin. Vas-y. Alors, donc celle-là, c'est vraiment question cadeau, mais je pense que depuis le début, c'est des questions cadeau. Quel est le prénom du père de Troy? Ah, c'est parce que je t'ai demandé, je l'ai oublié hier soir. Jack Bolton. Voilà, c'est bien. Bah du coup je vais te poser celle d'après. Que fait la mère de Chad pour maigrir? Elle met une photo, je crois que c'était la mère de Troy, donc j'étais complètement perdue. Elle met une photo d'elle maigre, non? Non, c'est presque ça. Elle met une photo sur son frigo, ça c'est sûr. Dans son frigo. Dedans, ah, ouais, à l'intérieur, et c'est pas elle qui aimait. Je vais te la compter, bon, parce que voilà, mais c'est un acteur qui aimait. Ah oui, ah oui, oui, oui. Je m'en rappelle plus. Ils sont même dans la bibliothèque quand tu lui dis. Ouais, ça. Avec cette veste horrible où il porte une chemise verte à rayures avec en dessous un t-shirt improbable et un collier avec. Oh, il est horriblement moche là-dedans. Oh, non, il est mignon, Chad. C'est à toi, tu. Comment Chad empêche Gabriela et Troy de s'embrasser? Sachant que c'est la plus grande frustration de la plupart des fans de. C'est quand il lui donne le ballon à la fin du truc. Voilà. J'ai failli répondre une bêtise. Hein. T'as failli dire quoi? Quand il le piège là dans l'espèce de vestiaire. Tu veux vraiment poser des questions trop simples? Ouais, mais je suis sûre que la dernière que tu vas me rajouter va être difficile. Bah là je vais tenter le coup, ouais, je t'en tente une dure. Qu'est-ce qui a marqué sur le t-shirt des Wildcats quand ils ouvrent tous le t-shirt? C'est en gros c'est le club de théâtre mais en anglais. Ouais, il y a marqué Go Drama Club. Voilà. Alors pourquoi ils sont tous en retenue? C'est à cause des téléphones. Par contre celle-là il a fallu que j'aille la chercher. Ouais, mais tu l'as vu hier donc ouais. Ça normalement on peut la. Ouais, bah je l'aurais vu il y a deux jours, je m'en serais pas souvenue. Ouais. Dans la chanson Bob to the Top. J'étais sûre que t'allais choisir celle-là. C'est vrai? Ouais. Complète les paroles. Vas-y. Avec mon super accent. Does Bob 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 to the Top. Don't ever stop, Bob to the top, gimme gimme, shimmy shimmy, shimmy. Et après il me faut les deux phrases d'après. Là c'est quoi le début parce que je fais un yaourt tout le temps. Pour moi il y a Direction à la fin. Ouais. Ouais mais t'as choisi la seule chanson que je fais en yaourt en fait. Et ah. Bon Get You in the Game je la connais pas du tout donc bah, ça c'est pas le... faire une autre. Bah je veux bien. Parce que celle-là je connais pas les vraies paroles du coup. Mais, hey, Direction c'était bien la fin. C'est Flash in the Smile, le truc avant. Ah ouais, non, j'aurais jamais trouvé. Je vais choisir l'autre chanson que j'adore. Start to Something New? Non, Stick to the Status Quo. Ah non, c'est encore pire. Tu m'as dit c'est la seule que je chante en yaourt. Je t'en prends une autre, tu me dis c'est encore pire. Non, mais je la chante pas du tout en fait. C'est comme Get You in the Game. Mais tu connais les paroles? Bon, on va voir. Par contre, c'est clair que tu m'aurais fait Start to Something New ou Breaking Free. J'aime pas ces chansons en fait. Ah bon? Mais non, j'aime pas les chansons. Où elle chante déjà je... Mais bon alors oui parce qu'on va préciser les choses. Madame déteste Gabriela. Bah comme je le disais à toi tout à l'heure, je la mets dans le même sac que Minnie et Aurore en fait. Mais ouais mais ça m'énerve parce que les autres chansons je sais que tu les connais. Bah après attends, ça dépend quel passage tu choisis aussi. C'est quoi la chanson, le nom de la chanson? I had to believe that I couldn't see. You were always beside me. Mais j'aime plus la version de Sharpay. C'est what I've been looking for. Celle-là, tu la connais quand même un peu, mais tu la connais pas par ouais, cœur. Ouais, non, c'est peut-être pas celle que je connais le mieux. Mais je vais pas te dire celle que tu connais par cœur, c'est pas drôle sinon. Bah oui. Hein? Le but, c'est pas que tu. C'est... Le but, c'est que tu manges un troisième bonbon, madame. Mais moi, je préfère la version Gabriela et Troy, madame. De toute façon, c'est les mêmes paroles. Bah logiquement. Bon, vas-y, c'est bon, je la connais, je te mens. Mais elle est super courte en fait. Bah oui. C'est trop facile. Mais pose-moi ta question dure, c'est mieux. Tu sais, quand Gabriela, elle arrive, la première fois dans la salle de classe. Elle reprend la prof de maths parce que l'équation est pas bonne. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je sais qu'il y a Happy dedans, mais je sais que le résultat est pas bon à une décimale près. Mm. Qu'elle change parce qu'on voit la prof faire ça. D'ailleurs, la prof est très enceinte. C'était 16 sur pi. Bah voilà, mais il y avait pi, t'es mauvaise. Mais oui, elle dit à une décimale près. Bon, ok, tu échappes à la bah, faut pas exagérer, je vais pas me souvenir en plus de l'opération, quoi. On va voir si je vais en manger. Hein. À un moment, Troy, il repeint quelque chose en retenue. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la feuille d'arbre, non? Putain! Elle était dure celle-là!
Mais celle-là, je la connaissais avant le film. Tu m'aurais pas eu sur celle-ci. Ah bon? Attends. C'est un truc qui m'avait marqué. Bon, bah bravo, tu as gagné. Puis si tu veux, je n'ai pas mangé de bonbons dégoûtants. Dites-nous dans les commentaires quand même si vous trouvez pas qu'il y avait un certain level différent quand même. Hein. Ouais, clairement. Bah... Après, j'essaie d'en mettre des pas hyper, hyper difficiles. Mettez aussi dans les commentaires et avec des pouces en l'air si vous voulez qu'on refasse un challenge comme ça, mais cette fois-ci en version Disney, où Mademoiselle aura des questions pas trop dures parce qu'elle est pas experte et que moi on m'en fera des bien durs pour voir si je mange des bonbons ou pas. Hein, parce que là on en a pas goûté un seul quand même, il y a un moment où... La revanche de Betty. C'est ça. Voilà ma Disney Army, j'espère que cette nouvelle vidéo avec Betty vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme toujours. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'en et à chanter High School Musical. High School Musical. Non, pourquoi celle-là? En attendant la prochaine vidéo, ma Disney Army, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.